Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Enfin, on a du contenu sur Dragon Ball Legends. Le grand jour est arrivé, enfin. Ça fait plaisir, regardez-moi cette bannière. Il va y avoir 6 nouveaux Goku gratuitement qui vont débarquer sur Dragon Ball Legends. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va bien, coucou tout le monde. Et là on n'est pas en invocation. Là ça se passe bien. Non, on n'est pas en invocation. En plus voilà, là aujourd'hui c'est trop bien. Aujourd'hui c'est bonne nouvelle. Ah c'est bonne nouvelle. La sortie de My Hero Academia en global, on peut y jouer. Là maintenant il y a du contenu sur Dragon Ball Legends. Est-ce qu'ils n'ont pas sorti ça en même temps que la globale? Ils se disent, oh là, va peut-être falloir qu'on sorte du contenu parce qu'en face de nous, on a quand même de sérieux concurrents. Bref, vous le savez très bien, hier j'en parlais en live que ça faisait vraiment un petit moment où sur le jeu, il n'y avait rien, qu'on nous avait zappé le Goku Day. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit arriver là ce matin? Boum! Une pluie de Goku. Une pluie de Goku. C'est pas on te dit, tiens, il va y avoir un Goku à farm, tu vois. C'est la toute première fois sur le jeu Dragon Ball Legends en 3 ans que je vois que là, ils vont nous balancer 6 nouveaux Goku à farmer. Alors, comme ça. Ils se sont dit pourquoi 6? 6. 6 d'un coup, comme ça. Alors bon, il y a encore plein de mystères. Pourquoi ils n'ont pas sorti ça au Goku Day, etc. Je sais pas, parce que là, bah du coup, c'est pas pour le Goku Day. Hein. Ils ont sorti ça comme ça. Ils te le lancent en pré-anniversaire, tu vois. Bon, dommage que ça soit pas déjà dispo dès aujourd'hui. Ouais, ça, c'est dommage. Hein. Franchement, c'est dispo que la semaine prochaine. Mais hey, on n'est pas là pour critiquer. Quand faut critiquer, vous savez très bien comment je suis honnête, je suis pas langue de bois, on le fait, on critique. Et quand c'est bien, faut le dire, et là pour le coup, je souligne le travail qui a été fait, c'est vraiment une très bonne chose d'avoir des Goku, et on a le SSJ Blue, on a le Goku SSJ Saga Namek, on a le Goku SSJ 2, on a également le Goku SSJ 3, on a le Goku forme de base, et on a le Goku SSJ God, 6 nouveaux Goku. Alors pour le coup franchement, ça va remplir la box. Ah bah là ça va remplir la box, moi je suis hype, mais surtout, surtout les amis, c'est que ça, ça va pas arriver tout seul, si c'est à farmer. Il y a des cristaux à récupérer, madame. Ah bah oui, c'est sûr. Et ça, c'est bon à prendre, hein. Alors, ça peut être bien. Alors, combien de cristaux? Ça, malheureusement, ils n'ont pas communiqué là-dessus. On sait que c'est juste un peu avant l'anniversaire. Et voilà, qui dit anniversaire, dit logiquement des cristaux à farm. Et pour le coup, alors, je sais pas, peut-être que je m'emballe, mais je verrais bien 1000 cristaux par Goku. Ça fait beaucoup, quand même, hein. Ouais, mais attends, on parle d'un anniversaire, d'accord? On parle d'anniversaire, un event, souvent, tu vois, par exemple, voilà, quand il y a un Zenkai ou quoi, souvent, tu récupères 1000 cristaux quand tu farmes un perso Zenkai ou quoi. Là, pour le coup, je me dis, 6000 cristaux à farmer juste avant l'anniversaire, ce serait pas déconnant. Ah bah j'avoue, je pense que vous aussi, vous aimeriez bien, même toi, t'as fait. Ah bah oui, là, c'est la dèche totale, moi, je suis à 1000 cristaux, hein. J'en ai besoin, s'il vous plaît. On serait tous d'accord, voilà, d'avoir 1000 cristaux par Goku, ça ferait 6000 cristaux à récupérer. En soi, tu vois, pour les free-to-play, 6000 cristaux, pour l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends, c'est quand même déjà pas mal. Si t'as déjà gardé un peu de cristaux de côté, en soi, moi, je trouverais ça vraiment pas mal. Donc là, je me suis mis sur mon compte Twitter parce que c'est là où on a eu les infos, justement. Donc voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Twitter, @SofianeLeGeek. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et également, @LudivineLaGeek. N'hésitez pas. Donc voilà, ce matin, je me réveille, tu vois, je vois plein de Goku. Au début, je dis, oh, il y a 4 nouveaux Goku. Au final, c'est 6 nouveaux Goku. Je l'ai même après remarqué là. Apparemment, 6 nouveaux Goku. Donc ça, c'était la petite parenthèse. On a déjà les couleurs des Goku, le SSJ God sera de couleur verte, ça c'est une bonne chose. On a également le Goku SSJ 3, et franchement je trouve que l'artwork est magnifique. Ouais, non, il est beau. Franchement, hein, il est beau, les cheveux au vent, tout ça, il sera de couleur jaune. Également, celui-là, pour moi, le gars, il est dans le cœur, c'est le Goku SSJ Namek, la première fois qu'on a vu Goku se transformer en Super Saiyajin contre Frieza. Donc là, franchement, voilà, couleur jaune, j'ai vraiment envie de le jouer, et comme c'est gratuit, franchement, ça fait vraiment kiffer. Et même là, le Goku forme de base, là, quand il est face à Vegeta avec son petit sourire en coin, type rouge, c'est pas mal. Bon, on avait déjà un Goku gratuit, le Goku Kakarot également, qui était de type rouge. Bon, c'est pas dramatique, on va pas commencer à pinailler sur les couleurs, on n'est pas là pour ça. Moi, je salue le travail qui a été fait. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est juste le manque de communication qu'il y a eu de la part des développeurs depuis un petit moment. Et là, du coup, il y a également le Goku SSJ Blue qui sera de type violet
Et du coup, il nous en reste un. Bon, je pense qu'on a dû me le mettre. Je sais pas où il est. Je crois que c'est le SSJ2. Parce que du coup, sur le tweet, j'étais bloqué à 4 screens. On peut pas mettre plus de 4 screens sur un tweet. Donc, du coup, voilà. Ça, me demandez pas pourquoi. On est en 2021 c'est sur Twitter. Comme ça. Voilà. Bon, bah, du coup, il reste le Goku SSJ2. Vous chercherez, voilà, sur les réseaux sociaux. Bon, bref, c'est pas bien dramatique. En tout cas, voilà. Ça a fait beaucoup, beaucoup réagir la communauté. La plupart, ils sont tous très, très satisfaits. Donc voilà, beaucoup m'avaient dit, tu en as mis que 4 alors qu'il y en a 6. Frère, quand tu te réveilles, t'es comme ça, frère. Tu te dis, ouais, il y a déjà 4, beaucoup, c'est tu vois. Bien, mais après tu 6, vois ce que je veux dire. Ça te met encore mieux de bonne humeur, quoi. On va dire. Alors attendez, je crois, on peut même aller voir directement, sinon... Ici, on va aller voir sur le compte de Miguel DB Legends, qui habite au Japon. Voilà, il a même mis, alors, malheureusement, après, il faudrait traduire, parce que c'est en japonais. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Twitter. Tiens, est-ce qu'il y a la couleur, là? Même pas. Non, il n'y a pas la couleur. Bon, c'est pas bien grave, tant pis. On verra ça plus tard. En tout cas, moi, ce que je peux souligner, c'est que là, franchement, je reprends espoir. Dans quel sens je reprends espoir? Je reprends espoir où, bah maintenant, je commence à être hype pour l'anniversaire des 3 ans. Je me dis, ça y est, ils vont peut-être commencer un petit peu à se réveiller et nous faire des choses masterclass. Et on peut même aller encore plus loin, madame. Attention, qu'est-ce qui va sortir? Bah là, quand je vois ça, moi, quand je vois plein de Goku comme ça qui débarquent là sur le jeu, on parle quand même de 6 nouveaux Goku. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on peut peut-être penser à, comme j'ai pu le dire... En tout cas, comme d'habitude, les artworks sont sublimes. Ça donne envie de croire à un Migaté maîtrisé pour les 3 ans. Peut-être. Quand moi, j'aimerais bien. Attention. Bah, moi aussi, j'aimerais bien. Bon, j'aimerais bien aussi quand même le Gogeta SSJ4. Hein, parce que voilà, moi, je suis fan également de Gogeta SSJ4. Et puis, je trouve que voilà, on a besoin d'un Gogeta SSJ4 sur le jeu. Tu vois, on est sur Dragon Ball. Ça fait 3 ans non, quand même que le jeu est là. Ouais. J'aimerais bien. Mais c'est vrai que quand tu vois ça... Bah, tu peux te dire qu'il y a peut-être des chances pour avoir le Migaté maîtrisé aux 3 ans. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous serez quand même assez hype pour un Migaté maîtrisé. Et là, après, cerise sur le gâteau, Migaté maîtrisé et Gogeta SSJ4 pour l'anniversaire. Voilà, attends, là, c'est le summum. Sait-on jamais, madame. Sait-on jamais. Allez, faut y croire. C'est une possibilité. Hein. Je sais que beaucoup de personnes sont comme moi. Vous êtes hype. Donc voilà, je dis en toute honnêteté, là, je suis plutôt satisfait de ce qu'ils ont fait, les développeurs de Dragon Ball Legends, hein, Dimps et Bandai Namco. Là, ça y est, c'est bien. Après, voilà, le seul reproche que je peux faire, c'est que bah, on n'a pas eu de communication de leur part pour Goku Day. Est-ce qu'ils avaient du retard ou quoi? Pour moi, ça sentait le Goku Day en retard. En voilà, fait. Ça bizarrement, sent Goku c'est Day que des Goku. En retard, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le balancer en tant que Goku Day. Mais en fait, moi, je comprends pas. Pourquoi on n'a pas cette lucidité, cette transparence envers la communauté? Vous avez du retard parce que vous avez peut-être une charge de travail beaucoup trop élevée, vous avez l'anniversaire à préparer, tout ça. Ça serait compréhensible. Juste communiquer et ne pas nous laisser dans le néant. Ah, frère, ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas de contenu, qu'on avait du mal quand même à farmer les cristaux. Je parle également surtout pour les free-to-play. Il n'y avait pas de communication en fait. Le Goku Day, il n'y a rien eu. Ça n'a pas été célébré. Donc si jamais il y avait ça qui était en préparation, juste un petit communiqué en disant « Excusez-nous, on a du retard, etc. » Bon, voilà, on pourrait comprendre. Mais ne pas communiquer et supprimer direct le Goku Day, ne pas le célébrer, bah, c'est une frustration pour les joueurs, c'est incroyable, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je l'avais très mal pris, je l'avais amer, hein, on va pas se mentir. Surtout que ça fait plus de 15 jours qu'il n'y a rien sur le jeu. Il n'y avait rien. Et là, ils balancent ça comme ça à une semaine et demie de l'anniversaire, des 3 ans. Bah, c'est ça qui est dommage, en fait. C'est ça, alors c'est même pas une semaine et demie, parce que ça arrive la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, donc mercredi, en sachant que l'anniversaire, c'est le 31, on sera le combien? Attends, je regarde le calendrier, on sera le 26. Donc c'est même pas une semaine, c'est 4-5 jours avant l'anniversaire. Je trouve ça dommage. Donc ouais. On est content, mais c'est dommage que ça soit en retard, en fait. C'est ça, clairement. C'est dommage que voilà, ça soit sorti un poil en retard. Bon, c'est pas dramatique. Moi, je suis content quand même. Voilà, je suis content. On n'est pas là pour cracher dessus. Au contraire, je suis
objectif. Et là, je salue le travail qui a été fait en toute objectivité. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir farmer 6 nouveaux Goku gratuitement. Ça va monter la box également. Ça va faire plaisir également à beaucoup de personnes. Également les free-to-play. Et on va avoir enfin du contenu sur Dragon Ball Legends. Si 6 Goku à farmer, frère, le temps de les monter 7 étoiles, 14 étoiles, etc. Autant te dire que tu as de quoi faire. Et surtout, on va pouvoir, comme j'ai pu vous le dire, récupérer des cristaux. Espérons de quoi invoquer. Cristaux, voilà. Juste c'est avant ça. L'anniversaire. Ouais. De quoi invoquer, voilà, tout simplement. Pour l'anniversaire des 3 ans de Dragon Ball Legends. Voilà les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo, n'hésitez pas à réagir. Je vous le rappelle qu'il y a également nos chaînes Twitch dans la description de cette vidéo, ma chaîne Twitch à moi Sofiane Novik et la chaîne Twitch de Ludivine la Geek. D'ailleurs aujourd'hui on va jouer à My Hero Academia. Gros live, attention. Sur le live de Ludivine cet après-midi et également ensuite en fin de journée sur mon live à moi en compagnie de Lilian31 et de Susucre qui seront également présents sur mon live. Donc voilà les amis, max de pouces bleus, abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Hey les gars, vous abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah.